Ce lundi 21 novembre a eu lieu le dernier huitième de finale de cette édition des Masters de N'oubliez pas les paroles, qui a vu la qualification de Baptiste face à Natacha. L'occasion pour lui de se confier à Télé Loisirs sur son incroyable début de parcours. Si est-il la surprise de cette édition des Masters de N'oubliez pas les paroles. Baptiste, 29e meilleur maestro, a réussi à éliminer successivement Kevin, numéro 3 et ancien recordman de l'émission, et Natacha, numéro 11 au classement. Avant d'affronter Hervé ce vendredi, il s'est confié à Télé Loisirs sur sa préparation et son début de son parcours. Je n'avais pas le droit de faire la même connerie Télé Loisirs, dans quel état d'esprit étiez-vous avant ces masters? Baptiste, j'étais confiant car j'avais beaucoup révisé cette année mais quand même stressé car étant dans la fin du classement je savais que j'allais tomber contre un des premiers maestros. Mais je me suis dit que personne n'était infaillible et qu'il fallait être confiant. Comment se sont déroulées vos révisions? J'ai beaucoup de lacunes comparées aux autres maestros. J'avais tellement de chansons cultes de l'émission à apprendre que j'avais déjà une liste très importante sans même faire de statistiques ou sans se concentrer sur les mal aimés. J'ai dû en apprendre à peu près 250 nouvelles, si est-il sûrement peu pour certains mais pour moi si est-il déjà beaucoup avec ma vie et mon travail. Quelle a été votre réaction en apprenant que vous tombiez face à Kevin? Ça fait peur car je sais que si est-il un monde de connaissances à lui tout seul mais j'étais surtout content car je l'aimais beaucoup, si est-il quelqu'un de très bienveillant. Votre ressenti lorsque vous vous rendez compte que vous pouvez éliminer Kevin sur la même chanson? Sur le moment j'étais défaitiste. Je me suis dit que j'avais laissé passer ma chance dans la manche précédente et que je l'aille louper avec le stress et la pression. Quand je vois la chanson Longtemps d'Amir je me suis dit que je n'avais pas le droit de faire la même connerie une deuxième fois. Ma mère et mon chéri me l'avaient fait réviser plein de fois donc c'était l'occasion rêvée. J'avais les larmes aux yeux, c'était un ascenseur émotionnel. Je me dis que tout est vraiment possible, les maestros n'ont pas tous aimé la nouvelle règle des reprises en même chanson. Quel est votre avis sur cette nouveauté? J'ai adoré cette nouvelle règle. Ça m'a enlevé toute pression. En général, j'ai peur de me tromper sur quelque chose que je connais. Là je me suis dit que je ne connaîtrais sûrement pas la chanson, donc pas de regret à avoir. J'ai quand même révisé la veille au soir. J'ai demandé à ma sœur, qui devrait bientôt passer dans l'émission d'ailleurs, des idées de reprise. Et j'ai travaillé chanté pour ceux de l'âme donc j'ai eu de la chance. Pourquoi n'avez-vous pas tenté les 20 000 euros alors qu'il restait les initiales? Si est-il assez rare. Je n'étais pas sûr des paroles précédentes, je ne voulais pas tenter le diable. Et quand Nagui a rappelé que j'allais affronter Hervé en quart de finale je me suis dit que ça allait être très compliqué. J'ai préféré assurer 10 000 euros qui est déjà une somme énorme. Des phrases entières de la chanson ne me revenaient vraiment pas donc je n'ai aucun regret. Vous allez affronter Hervé vendredi, un autre candidat emblématique. Je me dis que tout est vraiment possible. Je fais partie des 8 derniers maestros de l'émission, si est-il déjà incroyable. Il est très fort mais en restant concentré ça peut le faire. Et puis à ce stade si est-il que du bonus. À lire aussi j'ai fait une crise d'angoisse,
Maureen, n'oubliez pas les paroles, revient sur son élimination des Masters 2022.